L'événement commémore le 74e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Était présent à la parade le président Vladimir Poutine, l'ancien président de l'Union soviétique Mikhail Gorbatchev et l'ancien président du Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. Plus de 13 000 soldats ont défilé sur la place rouge de Moscou avec de l'équipement militaire dernier cri. Et pour la première fois, des femmes ont défilé avec la garde d'honneur du pays. Nous faisons et ferons tout ce qui est possible pour garantir le haut niveau de préparation pour la bataille de nos forces armées et le potentiel de défense le plus moderne. Nous augmenterons davantage le prestige du service militaire, l'autorité des soldats et des officiers, les défenseurs de la patrie. Et en même temps, la Russie est ouverte à la coopération avec tous ceux qui sont prêts à faire face au terrorisme, au néonazisme et à l'extrémisme.